Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président Mansour Kama, que je salue et je remercie, c'est un ami de l'enseignement supérieur. Nous avons beaucoup travaillé ensemble lorsque j'étais recteur de l'Université Gaston Berger, lorsque nous voulions rendre encore plus effective l'implication de l'université dans le développement en mettant en place le CORM, la Commission d'orientation et des relations avec le monde économique. Il est aussi très impliqué dans le projet pédagogique de l'ISEP de Thiès et il s'investit toujours pour l'enseignement supérieur. Merci, Président. Je salue les parrains, M. Eugène Ndiaye de la Casamançaise. Nous buvons cette Casamançaise, mais je ne savais pas qu'il était un voisin, puisque étant du Prytané militaire, donc de Dakar-Bango. Encore merci pour cet esprit d'entreprise, ce fleuron jeune de notre industrie, ce « made in Sénégal ». Merci aussi à Maître Papele Tindiaï, bâtonnier, et à son représentant. Merci pour toute cette envie que vous donnez aux jeunes de poursuivre cette vocation d'avocat, de magistrat, les métiers de la justice, pour dire. Honorables invités, en vos titres, grades et qualités. Madame la vice-présidente d'AFI, chère sœur Mariama Koulibaly, je te rends ton prénom que mon ami vous a pris, mais ce n'est pas pour vous retirer le nom du président que je salue et souhaitons-lui un prompt rétablissement qui retrouve toute l'énergie de sa jeunesse pour nous accompagner encore et encore très longtemps. Je salue la directrice générale, je salue mes collègues enseignants, les membres du personnel administratif, technique et de service, les parents d'élèves, d'étudiantes et d'étudiants, les récipiendaires, chères étudiantes, chers étudiants. J'exprime tous mes remerciements à AFI, l'Université de l'entreprise. Invité d'honneur, c'est un grand honneur pour moi. C'est aussi un plaisir, une opportunité qui m'est donnée de vous parler, car j'aime parler aux jeunes, j'aime parler à la jeunesse, parce que c'est elle l'avenir de notre continent. C'est elle qui peut changer les choses et très rapidement si elle a conscience de son rôle et si elle assume les servitudes que cela impose, c'est-à-dire étudier, conquérir les connaissances et avoir de l'ambition et se donner les moyens de son ambition. Vous le pouvez, j'en suis sûr. Madame la Présidente, merci encore pour cette invitation. Je voudrais souligner le rôle de l'enseignement supérieur dans ce pays et dans le monde. Partout on parle de développement, partout on parle de conquête d'une technologie nouvelle pour mieux résoudre les problèmes de l'humanité. On s'adresse à la connaissance. On s'adresse à la science, on s'adresse à la technologie. Et évidemment, l'espace dans lequel on produit ces connaissances, ces technologies et ces innovations, c'est l'espace de l'enseignement supérieur, l'espace de la recherche et de l'innovation. C'est indispensable. C'est pourquoi, dans toute politique de développement, le développement des ressources humaines,
Le développement du capital humain, comme on dit aujourd'hui, est essentiel. Et d'ailleurs, notre premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, disait que la première ressource du Sénégal, ce sont les ressources humaines. Il nous faut maintenir ce niveau de qualité. Et on ne peut le maintenir que par le travail dur, patient, le travail aussi dans le temps. Ce n'est pas un travail d'une année, de deux années, de trois années, non. C'est un travail de plusieurs décennies et il faut le faire constamment. L'Afrique en a besoin, notre pays en a besoin. Le monde est en train de conquérir des technologies nouvelles qui sont encore en train, si nous n'y prenions garde, de laisser l'Afrique au bord de la route. Vous avez beaucoup parlé des technologies numériques. Vous savez, le numérique, c'est aujourd'hui un défi. Que vous soyez juriste, que vous soyez économiste, que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, mathématicien, sociologue, géographe, vous avez besoin de ces technologies nouvelles. Vous avez besoin de les maîtriser pour construire le développement et gagner un mieux-être pour nos populations. Et cela, c'est l'enseignement supérieur qui le procure. Il est important de le développer. Et dans l'enseignement supérieur, je réaffirme que l'enseignement supérieur public et privé sont d'égale dignité. C'est essentiel. Il n'y a de différence entre les deux que la prise en charge de la formation. Ici, dans le privé, ce sont les familles, ce sont des entreprises et autres qui prennent en charge. Et dans le public, c'est l'État qui prend en charge. Mais l'État a la responsabilité de tout le monde, parce qu'il appartient à l'État de créer l'égalité et l'équité entre tout le monde. Et c'est pourquoi il est essentiel de savoir que par rapport à l'État, le jeune, qu'il se forme dans le public, qu'il se forme dans le privé, c'est de sa responsabilité aussi. Et la qualité, la responsabilité de la qualité dans ce pays qui est assurée par l'Autorité nationale d'assurance qualité, ANACSUP, évidemment, elle est valable pour tout le monde. Donc, vos diplômes du privé comme du public sont assujettis aux mêmes règles et ont évidemment les mêmes possibilités de, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau du privé. Donc, chères étudiantes, chers étudiants, il est essentiel que vous suiviez tout à l'heure l'intervention de vos parents, car ils vont vous dire le chemin qu'ils ont parcouru, qui n'est pas toujours facile, mais lorsqu'on a confiance en soi, lorsqu'on a de l'ambition et de l'audace, lorsqu'on a le sens du risque positif, il n'y a aucun défi qu'on ne peut conquérir. Alors, le monde est à vous de le conquérir. Chers récipiendaires, je vous félicite. Vous avez bien travaillé. Vous avez votre licence, vous avez votre master. Certains vont continuer les études. Je vous encourage. D'autres vont affronter le marché du travail. Je vous souhaite bonne chance. Mais sachez qu'en grande partie, cela va dépendre de vous. Il vous faut de l'ambition. Il vous faut de l'engagement. Ayez confiance en vous. Et si vous l'avez, vous avez 90% de chances de réussir. Et ne vous bloquez jamais parce que vous n'avez pas les moyens. Les moyens, oui, c'est important. Mais les moyens ne sont pas l'essentiel. Dans tous les grands projets, lorsque ces projets étaient initiés, les moyens n'étaient pas là. Et pourtant, ces projets ont réussi. J'aime souvent vous ramener
à ce grand discours du président John Fitzgerald Kennedy, non pas celui que vous connaissez, mais celui de l'université Rice en 1962, lorsque, dans cette compétition, dans la conquête de l'espace, l'ancienne Russie, qui s'appelait Union des républiques socialistes soviétiques, avait mis en orbite Spoutnik et un homme autour de la Terre, Yuri Gagarin, et que l'Amérique n'arrivait pas à lancer une seule fusée. Kennedy a prononcé un discours extraordinaire à l'université Rice, parce que aux États-Unis, tous les grands projets, les grands débats se font à l'université. Et il y dit, dans cette décennie, nous ferons marcher un homme sur la Lune. Combien c'est difficile ! Parce qu'il ne pouvait même pas encore mettre un satellite en orbite. Et il a dit, nous faisons ce choix parce qu'il est difficile. Chères étudiantes, chers étudiants, les choses faciles n'ont aucun mérite. Le mérite, c'est les choses difficiles. Il dit aussi, ce projet, nous ne le renverrons pas à demain. Nous, Sénégalais, on aime ce qu'on peut faire aujourd'hui. On dit nous harbe elek. Non. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Et il dit, nous réussirons. Vous savez, ici, quand vous démarrez un projet, la première chose qu'on vous dit, vous allez échouer. Mounoul nek. C'est trop gros, c'est trop qui pour un pays en développement. Non, quand vous démarrez un projet, dites-vous, vous allez réussir. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 1969, un homme a marché sur la Lune. Parce qu'ils y ont cru. Même les petits projets, vous devez avoir cet engagement-là. Alors, je voudrais vous encourager, vous dire la vie est entre votre main. Encouragez vos camarades qui continuent à étudier et saluez les parents, les mamans, les papas, les oncles, les frères et sœurs. Car ils sont essentiels pour nous. Grâce à eux, ils payent les études. Mais toute cette chaleur familiale qui vous entoure, leur présence aujourd'hui, un jour merveilleux pour vous. Oui, nous sommes en Afrique, nous sommes au Sénégal. La famille est importante pour nous. Ayez toujours à l'esprit que vos parents sont essentiels pour vous. Votre société est importante pour vous. Et que les diplômes et les études que vous faites vous serviront. Serviront aux parents, serviront à votre pays et serviront aussi à l'Afrique. Ayez de l'engagement. La parole forte et absolue s'élève. Les nuages d'indécision s'évanouissent. Mon cœur s'attendrit au son de mon Afrique qui se lève et ma voix communie avec des chansons qui me réjouissent. Y a-t-il pire que l'hésitation des élites et la peur née d'un renoncement coupable ? Nous sommes les enfants d'une terre arable, l'humus généreux, seule notre charrue est petite. Personne n'imagine nos messies aller au paradis et bientôt, ils seront des milliers nos prophètes sacrés et la terre à l'unisson célébrera notre Afrique consacrée. L'extase d'un soir de combat victorieux et le peuple ragaillardi. Ai-je chaque jour la main à l'ouvrage
l'effort dans la constance, ouvrir large les fenêtres d'espérance sans aucune permission et enfin oser construire notre Afrique en toute impertinence. Je vous remercie.